Salut à tous, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur Binge Wave Souls. Toujours plus de mystères et de teasing concernant la loterie qui est prévue pour arriver sur cette fin de mois de septembre. On sait d'ores et déjà que celle-ci va concerner la Spirit Society. Et depuis ce matin, on a eu deux nouveaux petits indices qui nous ont été lâchés par Kelab sur les réseaux sociaux, entre autres Twitter. Deux screens, deux captures colorisées qui nous présentent des parties précises des deux nouveaux personnages. Si vous ne les avez pas encore vues, eh bien on va les regarder là maintenant. On va essayer un petit peu de faire nos prédictions, nos prévisions pour essayer de savoir qui se cache derrière justement ces nouveaux persos de cette thématique si formidable. Par contre, j'avoue que je suis un peu surpris quand même, je me demande pourquoi Kelab nous fait un tel teasing effectivement de cette thématique. Spirit Society, certes, c'est une thématique qui est très appréciée par les joueurs parce qu'elle nous ramène énormément d'éléments propres au folklore et à la culture japonaise, mais en soi, c'est pas une thématique qui est si nouvelle que ça. Encore, si vous voulez nous teaser du Safui ou des nouvelles collaborations énormes, des trucs complètement inédits, bon, normal qu'ils s'y prennent avec autant d'avance et qu'ils fassent un petit peu monter la sauce, tu vois. Mais là, sur une thématique qui commence déjà à avoir un peu d'âge, je me demande l'intérêt en fait. Qu'est-ce qui se cache derrière? Qu'est-ce que Kelab nous planque encore derrière les fagots là? On sait très bien à quel point Kelab ils sont très très forts pour vraiment garder le suspense jusqu'au bout. On va essayer de regarder ça d'un petit peu plus près. A l'origine, donc, on nous a posté effectivement ce petit screen là sur les réseaux sociaux avec donc deux personnages ombragés et sur lesquels bon, il était quand même compliqué d'apercevoir certains détails. On pouvait toujours essayer de repérer deux ou trois petites choses après, à voir si vraiment les codes couleurs ont quelque chose de particulier, puisqu'on peut voir qu'en effet le personnage de gauche est entouré d'une sorte d'aura verte alors que celui de droite est entouré d'une sorte d'aura orange. Et justement, ce code couleur vert orange est repris sur la police de caractère, sur la police d'écriture, la Spirit Society. On voit bien le orange en haut, le bleu en bas. Est-ce que ça pourrait représenter, je ne sais pas, l'eau, la glace en bas et le feu, le soleil en haut par exemple, pour vraiment faire un contraste d'opposition. Idem sont bientôt disponibles, on voit que ces deux couleurs s'entrechoquent mais dans un ordre un petit peu plus bariolé. Donc là, il y avait déjà quand même pas mal matière à réflexion. Mais là où il y a maintenant un peu plus matière à réflexion, c'est qu'effectivement depuis ce matin, comme je vous le disais, nous avons des petits indices qui nous révèlent effectivement des parties colorisées des personnages. Donc là, vous avez reconnu effectivement l'une des parties du personnage de droite, donc celui qui avait effectivement l'espèce d'aura orange autour de lui. Et là, il n'a pas que l'aura qui est orange. On peut comprendre qu'effectivement, ça a l'air d'être le feu qui a l'air d'être vraiment d'animer ce personnage là. On voit comme des flammes autour de sa main, la main qui est elle-même incandescente. Donc on se doute que ce genre de détail, c'est pas juste là pour faire joli en fait. Là-dessus, au début, j'avais pensé à un duo assez emblématique qui était Yoruichi sur le personnage de droite, celui que nous sommes en train de regarder, et j'avais pensé à Soifon pour le personnage de gauche. Alors là où effectivement ma théorie concernant Yoruichi reste plausible, mais vous allez voir que concernant Soifon, non, ça ne l'est plus du tout. Vous allez voir dans un petit instant. Pourquoi Yoruichi ça reste plausible? Eh bien, pour une bonne et simple raison. Comme on peut le voir sur le haut du personnage, on a une sorte d'ornement, je sais pas comment vraiment on pourrait appeler ça, qui n'est pas sans rappeler une certaine forme de soleil pour ainsi dire. Ce qui irait bien de pair avec effectivement l'aura orange du personnage, compte tenu du fait que maintenant on voit que ce même personnage a une main incandescente et que certains joueurs ont reconnu des traits propres à Amaterasu, la déesse japonaise du soleil. Et bien si je pense à Yoruichi, c'est pas pour rien, elle est quand même assez souvent représentée avec des parties de ses vêtements effectivement qui sont de couleur orange, mais aussi et surtout sur sa cuisse, elle a un tatouage tribal symbolisant un soleil. Ça fait quand même pas mal d'indices qui nous engagent sur la piste de Yoruichi pour ce premier personnage. Après, attention, c'est pas une vérité absolue, c'est simplement une grosse théorie, mais qui a l'air d'avoir tendance à se confirmer. On verra ce que le bot YouTube pense de ça d'ailleurs. Par contre, bon, pour l'autre personnage, je m'étais dit, bon, ça pourrait être Soifon, je crois que c'est raté, madame. Ou alors Soifon, elle a fait une gonflette, mais alors vénère, mais très très vénère. Non, ça tombe à l'eau, bien sûr, ça tombe à l'eau, on voit très clairement ici qu'il s'agit donc d'un personnage masculin. Alors là, la tâche, elle se complique un petit peu quand même. Parce qu'ici, il est quand même important de rappeler qu'on est dans Bleach, on n'est pas dans Dragon Ball, ok? Donc les personnages hyper musclés, avec des gros biceps bien saillants, machin, avec une telle démonstration, c'est pas quelque chose de super fréquent dans Bleach quand même. Donc c'est qu'il faut le trouver, le bonhomme qui a une musculature pareille dans Bleach. Alors évidemment, on a tous des noms qui nous viennent tout de suite en tête. On a des personnages tels que Cha, tels que Kenny également qui pourraient nous venir en tête. Disons qu'au niveau du torse, on pourrait effectivement essayer de trouver plusieurs personnages, mais en fait, moi, ce qui me trigger, c'est l'épaisseur des bras. Le type, il a un bras, frérot, c'est mes deux cuisses réunies. Et des mecs comme ça, qui ont une pareille musculature sur Beach, il y en a pas 40. Je sais que vous avez pas forcément envie d'entendre ce que je vais dire là, mais à un moment donné, faut y penser, faut y songer. Moi, je pense à Yami, les gars, hein. Je suis désolé, je veux pas vraiment vous casser le moral, mais je pense un peu à Yami. Ce serait pas déconnant, t'as vu comment il est bâti le machin. On aurait eu que le torse, Kenny, ça m'aurait pas paru déconnant, mais Kenny, il a pas des bras aussi épais. Chat, c'est pareil, il reste quand même relativement musclé, mais j'ai pas souvenir que ce soit à ce point-là. Et d'office, on peut exclure des personnages comme Ikkaku, comme Yubichika, on peut exclure tous ces gens-là, quoi. Même Yamamoto, certains avaient songé à Yamamoto, Yamaji, ouais, d'accord, ok, il a de bon reste, papy, mais quand même pas à ce point-là, encore une fois, t'es mal les bras, quoi. Aussi, en autre personnage, j'avais pensé à Baragan. Après tout, ce serait pas déconnant, parce que dans l'histoire de la Spirit Society sur BBS, on a déjà eu un Espada qui était Grimmjow, donc pourquoi pas en rajouter un autre, surtout si Kelab a prévu encore de faire vivre cette thématique pendant un bon petit moment. Et puis surtout, bah, c'est que on le voit sur son bras, là, quand il porte sa hache, c'est qu'il est quand même plutôt bien charpenté, pépère.
Et puis après, je vous avouerai que Barragan, il a totalement, là, surtout dans cette forme-là, il a totalement l'allure pour être intégré proprement dans la thématique Spirit Society sans le moindre problème. Mais du coup, c'est vrai qu'une telle musculature, une telle ossature, c'est que ça ferme quand même pas mal la porte à beaucoup de personnages. J'avais vu également des théories concernant Ikkaku, concernant Renji, Kyuraku. Alors bien sûr, moi, ce sont des personnages que j'espère voir un jour arriver dans le cadre de cette formidable thématique. Mais bon, c'est qu'ils ont pas encore fait assez de gonflettes pour pouvoir ressembler à ça quand même. Après, c'est difficile de se baser sur les autres détails physiques du personnage. On constate qu'effectivement, il a une sorte de tatouage sur la partie droite de son torse. On distingue un cordage rouge qui maintient ses protections au niveau des bras. Mais ça, après, ça va être plus des éléments qui vont être propres au chara-design type Spirit Society et pas forcément quelque chose qui est en rapport direct avec le personnage. Certaines personnes avaient également pensé à Wabisuke, l'incarnation du Zenpakuto de Kira, mais c'est pareil, Wabisuke, niveau physique, on va dire, il est directement issu de son porteur. Kira, du biscuit, mais il est quand même loin d'avoir fait autant de gonflettes lui aussi. Sauf si là, on a affaire à un Kira en mode Hulk, là, après, là, je dis plus rien. Après, j'ai essayé de chercher évidemment aussi un truc débile, mais par rapport à la teinte de la peau. Et encore une fois, bah, c'est que ça colle avec Yami, quoi. Barragan, je sais pas trop, Barragan, il a l'air d'être un peu plus bronzé quand même, on va dire. Autant que pour le premier, si j'en portais, je serais tout à fait prêt et laisser ma chemise sur le fait que c'est Yoruichi. Que là, par contre, sur le deuxième, je vais compter un petit peu sur votre imagination à vous. Moi, j'ai mes propres théories, Yami Barragan. Là, à part ces deux-là, j'ai pas la moindre idée de qui ça pourrait être. J'imagine bien sûr que depuis l'apparition de ces screens, vous avez déjà vous-même vos propres impressions, vos propres théories. N'hésitez pas bien sûr à nous les partager par commentaire sous la vidéo. Maintenant, les infos officielles avec l'intégralité de la loterie nous sera dévoilée en principe aux alentours du 27. Donc ça nous fait vraiment pas long à patienter, le temps qu'on puisse vraiment savoir ce que Kellam nous prépare avec autant de teasing. Entre la vidéo et le champ commentaire, vous avez bien sûr une description dans laquelle vous avez ces trois liens absolument incroyables. Notamment la chaîne de live Twitch sur laquelle on stream quotidiennement et les différents réseaux sociaux bien sûr. Comme d'habitude, je t'invite à t'abonner et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Et si la vidéo t'a fait plaisir, que le format en général te plaît, que le contenu te plaît, n'hésite pas à me le faire savoir avec le petit pouce en l'air. Merci à vous d'avoir choisi de suivre ces quelques images en vous souhaitant de passer une excellente journée, portez-vous bien, prenez soin de vous et à très vite pour la suite. La bise à tous mesdames, messieurs, à bientôt, au revoir.